Voilà, je coupe les commentaires et on y va. Hop. Voilà, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va partir sur une grosse séance ce soir. Enfin, une grosse séance, non. Elle est courte et on va faire du non-stop. Donc, ce que je vous propose, c'est de vraiment d'y aller à votre rythme. Si un exercice est trop compliqué, fractionnez-le. Vous n'êtes pas obligé de tenir sur toutes les répétitions. Donc, voilà, vous réduisez. Par moment, je proposerai des options. À d'autres, j'en proposerai pas, donc c'est à vous d'en faire un peu moins, mais d'essayer d'en faire au mieux, même si c'est difficile, pour pouvoir progresser par la suite. Voilà, on va démarrer. Je lance le chrono pour 30 minutes. On va dans tout le corps, donc on va commencer debout là, par les jambes tranquillement. On va se mettre. Je me mets en latéral, on va fléchir ici sur les jambes, fixer le bassin. On a les jambes écartées, largeur. Épaule, et là, on va bien descendre. Et là, on vient planter le talon et la derrière. On va commencer là par un travail de renforcement des quadris pour tout ce qui est prévention des blessures au niveau du genou. Allez, 1, 2, on garde le dos bien droit. 3, 4, tirez les épaules en arrière. 5, 6, 7, on va jusqu'à 12. 8, 9, 10, 11 et 12. On change tout de suite. On reste là bien fléchi, toujours droit, les épaules en arrière. On serre les omoplates et là, on planque le talon, pointe des pieds loin derrière. On garde dans l'équilibre. On est bien stable sur le pied d'appui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, regardez droit devant, 10, 11 et 12. Vous pouvez relâcher. Là, on va juste partir ici. On va écarter les jambes, les pieds vers l'extérieur. On va descendre ici tranquillement en squat sumo, le dos bien droit et on descend jusqu'où on peut. Allez, 1, 2, toujours là, bien redressé, 3, 4, expirez en descendant. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va rester ici, on va fixer. Là, toujours bien droit, on se grandit. Et là, des petits. 1, 2, on part toujours pour 12. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 et 12. On remonte et on repart là. 1 pour 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. À relâcher les jambes. Là. On va partir sur trois petits sauts et un squat. On tire les fesses en arrière, les genoux bien vers l'extérieur. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On garde le dos droit. 9, 10 sur la pointe des pieds. 11 et 12. On relâche. Là, relâchez les jambes. On se tire. Et là, on va aller travailler les fessiers. Okay, on vient chercher derrière. On fléchit bien. On vient presque poser le genou arrière au sol. Allez, 1, 2, toujours bien droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez en descendant. 9. 10, 11 et 12. On relâche. Là, on va être sur un double squat. Donc, on est là. On descend, on serre et on ouvre à côté. Allez, 1, 2, 3. Toujours les genoux vers l'extérieur. 4, on tire les fesses en arrière comme si on allait s'asseoir. 5, 6, 7, 8. 9, 10,
11 et 12. On va se placer. Enfin, vous pouvez prendre appui sur quelque chose. Si vous perdez l'équilibre, on va là. Pas trop écarter les jambes, fléchir. De façon à avoir un angle droit. Aussi bien sur la jambe avant que la jambe arrière. On descend bien. On est à 3 cm du sol. Et là, 1, 2, on se redresse. 3, 4, 5, des tout petits mouvements. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On pivote tout de suite de l'autre côté. On se place bien. Là, on prend le temps. Voilà, nos deux angles droits au niveau des genoux. Et là, 1, 2, redressez-vous. 3, regardez en face. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. À relâcher un peu les jambes. Ça commence à chauffer. Il nous reste un exercice au niveau des jambes. On passe au gainage. On va balayer comme ça différents groupes musculaires. Prochain. Là, on va être sur un squat. On descend là, bien les fesses en arrière. Coup de genou opposé et on alterne. Allez, 1 pour 12. 2, on passe bien le coude là, derrière le genou. 3, on expire en descendant. 4, 5, 6, encore. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On prend le temps de relâcher là. Relâchez les jambes, relâchez les bras tranquillement. Récupère. Et là, on se met au bout de son tapis. On va descendre tranquillement ici en chenille, en marchant sur les mains. Et allez trouver la position de planche. Donc si c'est trop dur, là, vous posez les genoux. D'accord? Là, dans toute la séquence qu'on va faire, à chaque fois que c'est difficile, vous pouvez prendre cette position-là, demi-planche. Genoux, bassin, épaules bien alignés. D'accord? Ou restez en fixe si vous le préférez. Sinon, je vais proposer plusieurs options à chaque fois. Donc là, on reste ici. On serre bien les abdos. On est bien aligné. Écartez les doigts. On est bien ancré. Et on reste là encore 5 secondes. Là, toujours solide. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On se redresse. Là, on se redresse, on lève la tête et on y retourne. Là, toujours en marchant sur les mains, jambes tendues, on se place. Et là, pour le prochain, je vais vous demander de déplacer les deux mains vers l'avant et de revenir. D'accord? Si c'est trop dur, demi-planche. Allez, pour 12. 1, 2, 3, 4. On serre bien les abdos. 5, 6. Plus vous allez loin, plus ça va être dur. 7. Donc à vous de doser. Hein, vous n'êtes pas obligé de partir trop loin. 11 et 12. On est là. On prend le temps de se redresser. Là, on respire un coup. Et on y retourne. Là, on reprend la position de planche. Et cette fois, on va là, avancer avec les deux pieds, reculer en sautant. Pour 12, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est trop dur, vous faites tout en marchant. Je recule en marchant, j'avance en marchant. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore. 11 et 12. Voilà, on se redresse, on respire. Adaptez le nombre de séquences vraiment à votre état de fatigue, à votre niveau. D'accord? À chaque fois, je suis sur 12, vous pouvez réduire. On y retourne, là, tranquillement. Et on va se placer sur les coudes. OK, on va aller chercher sur les côtés, là, pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez encore, 9, 10, 11.
se remet la bras tendu en planche. On reste là encore 3, 2, 1 et on remonte. On respire. On va rester ici pour un petit exercice avant de redescendre. Là, on va redescendre en quad squat et on va aller chercher pointe des pieds, main opposée pour 12. Allez, c'est parti. 1, 2, on expire bien en descendant. 3, encore. 4, on descend les fesses en arrière, le dos droit. 5, 6, 7, 8, regardez bien droit devant. 9, 10, 11 et 12. On relâche. On revient ici. Et on va redescendre en position de planche. Là, cette fois, on va alterner les levées de jambes pour 12. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, bien aligné. 5, 6, on serre les abdos. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On se redresse. On respire. Et cette fois, on va descendre et s'allonger sur le ventre. Là, tout de suite, on peut se poser. On va travailler toute la chaîne postérieure. Là, on va débuter en diagonale. Donc, je lève bras droit, jambe gauche et inversement. Et c'est parti, on rentre la tête. Elle est alignée, le regard vers le tapis. Et là, 1, 2, on lève bien haut. 3, on serre les fessiers. 4, 5, 6, 7, bras tendus, 8, 9, 10, 11 et 12. Les deux, 1, on serre, on contracte quand on est en haut, on reste une seconde ou deux en haut. Allez, 1, on relâche, 2, on relâche, on serre les fessiers, on omoplate, 3, on relâche, 4, on relâche. 5. On relâche. 6. On relâche. 7. Encore. 8. On relâche. 9. On relâche. On continue. 10 et on reste en haut. On fixe. Allez, on reste là. Encore. On rentre la tête. 3, 2, 1. On relâche. Prochain mouvement, on va bien contracter les fessiers, décoller légèrement les épaules et on va être sur des battements. Là, pour 12. Allez, c'est parti. On a la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pas rentrée, pas complètement en l'air non plus. Allez, c'est parti. 1, 2, bras tendus. 3, 4, pointe de pied. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. On reste en haut. On lève au maximum. Là, serrez, contractez, grandissez-vous. Allez, on résiste. Encore. On maintient. On décolle au maximum la poitrine, les épaules. Et on relâche. Ici, on va enchaîner tout de suite par une séquence fessier un peu longue qui va piquer. Ok, la jambe tendue, on n'a pas la jambe qui dépasse le fessier, donc là, on est bien aligné. Et là, 1, 2, 3, le dos bien droit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va fléchir la jambe et pousser vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va tendre à nouveau et là des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. On essaye de résister. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, on va juste tendre poitrine et là, poitrine étendue. 1, 2, on lève pas trop la jambe. 3, 4, 5, 6,
de respirer. 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, on va ouvrir, lever bien le genou à hauteur du bassin et on descend. Allez, 1 et on descend. On prend le temps de descendre. 2, on fixe un peu en haut. 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va rester ici, on fixe et là des petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous pouvez relâcher. On va passer sur l'autre jambe. On reviendra sur celle-là. Hein. Pour l'instant, on laisse un peu se reposer. La jambe tendue, on se place bien. On a les doigts bien écartés, le dos bien droit, solide sur les bras. Et là, les petits mouvements. 1, pas trop haut. 2, 3, 4. On a fait plus de la moitié. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12. Là, ça va piquer dans cette deuxième partie. Il faut continuer. On fléchit vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va tendre à nouveau. Là, aligner hauteur du dos. Et là, des petits cercles. On va jusqu'au bout de cette séquence fessier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La poitrine est tendue sans trop lever le talon derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore. 8, 9, 10, 11 et 12. On va ouvrir et redescendre tranquillement. Allez, 1. 2, on va pas trop vite, allez, on serre dedans. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste en haut là et des petits. 1, 2, 3, allez encore. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Relâchez. Je sais que ça pique. D'accord. On va finir. On a encore deux petits mouvements. Là, on va reprendre le premier. On va se placer ici, sur le côté. Alors, si c'est trop dur, vous pouvez vous allonger complètement là et basculer juste ici. Là, on va commencer le premier ici, là. Et on basculera sur plus dur après. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on finit. 9, 10, 11 et 12. On bascule tout de suite de l'autre côté. Là et là. On appuie sur le coude. Ici, on vient ramener la jambe bien haut et on tend. 1, allez. 2, 3, on va laisser tranquille les fessiers quelques instants après. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Là, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Là, on va attaquer tranquillement les abdos. Ici, on va juste décoller les épaules, on fixe. Un point du regard au plafond. Là, on rentre le ventre, on contracte. Là, si on est juste ici, ça travaille déjà. Chez les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les mains sur les cuisses. C'est là. 1, 2, on expire en montant. 3,
On décompose le mouvement. 4, on prend le temps. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. On va placer le talon sur le genou opposé. Et là, la main opposée sur la tempe. On va travailler en diagonale. Mon coude qui vient ici toucher le genou. Allez, pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change de côté. Ici, pareil, coup de genou opposé. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va rester sur les obliques. On va basculer là, sur le côté, jambes fléchies, la main au sol, le dos de la main sur le sol. Et là, la main au niveau des tempes, on va piquer le coude derrière le bassin. On décolle bien là, les épaules. Il faut sentir la contraction. Là, on vient travailler les transverses, les obliques, la taille. Et 1, 2, 3, on expire en montant. 4, 5, venez chercher bien au 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Avant de basculer sur le côté, on va là, se mettre sur le coude. Ici, donc deux options, soit on lève une seule jambe, soit si vous pouvez, vous mettez un appui sur les fessiers. Et là, 1, 2, jambes tendues, 3, 4, 5, 6, 7, une jambe ou deux, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche et on passe de l'autre côté. On reprend le premier mouvement là, jambes fléchies, dos de la main au sol, main sur la tempe. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez encore, 8, 9, 10, 11 et 12. On bascule sur le suivant. Donc là, ici, soit vous le faites vraiment à une jambe, soit à deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et 12, on relâche, on va se replacer sur le dos, et là, alors, deux mouvements au niveau des abdos, soit vous arrivez à faire celui-là, donc je me redresse, et là je viens glisser ma main sous mon genou, en allant chercher sur le côté, et on alterne à chaque fois. Si c'est trop dur, vous placez juste les mains entre les jambes. Et là, on décolle tout simplement le buste en contractant bien fort. Allez, c'est parti pour 12. Vous choisissez votre option. Et là, 1, 2, 3. On expire bien en montant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et 12. On relâche. On va tout de suite enchaîner là. Je viens poser mes coudes sur les genoux. Et si c'est trop dur, pareil, vous restez sur la première option. Là, je décolle juste le buste. Allez, ici, 1, le dos bien droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 9, 10, expirez, allez fort, en haut, 9, pardon, 11 et 12. On relâche, là, on va poser le dos bien aligné, poser la tête. Ici, vous allez tendre les jambes, partir sur une pointe des pieds, claquer les mains au sol pour vous maintenir, et là on part sur des petits battements.
Si vous avez envie de travailler un peu plus, vous pouvez décoller la tête, fixer vos pointes de pied. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on garde les pointes de pied. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va écarter les jambes là et on va aller chercher pointe de pied en diagonale. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous pouvez relâcher. Là, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Donc là, on s'accroche, on va jusqu'au bout. J'avais dit, hein, c'est séance qui est courte, hein, 30 minutes, mais par contre, non-stop, mais c'est efficace. Là, on va garder les jambes tendues. On va tout simplement ici, les fessiers pour aller chercher le bas du ventre, d'accord? Là, on travaille vraiment la zone basse des abdos. On décolle, là, 1, à la verticale, on essaye de ne pas trop basculer pour soulever. On fait comme on peut, mais là, il faut que ça soulève au niveau du bassin. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Ici, on va rester les jambes à l'équerre, les bras le long des genoux et on va ici décoller avec beaucoup d'amplitude. 1, 2, et on ne va pas trop vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Là, on garde les jambes ici. On maintient un petit peu, ça travaille doucement. On est bien et là, on va juste basculer ici et amener les talons près du sol, sans toucher. 1, 2, plus vous descendez, plus ça travaille. 3, donc à vous d'ajuster. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12, on pose les pieds, on va écarter les jambes là en diamant, les plantes de pied collées entre elles. Là, j'aime bien cet exercice, moi je le trouve efficace. Vous me direz hein, ce que vous en pensez, je le fais assez souvent. Là, donc les bras tendus, on rentre le menton, on regarde en direction de ses pieds. Et là, en prenant beaucoup d'amplitude ici, je viens resserrer, je viens monter mon buste. Allez, 1. 2, on prend le temps. 3, sentez les abdos. 4, 5, il faut sentir qu'ils se grandissent et qu'ils se resserrent. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va faire pareil. Là, les bras vers le ciel et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Il nous reste un mouvement. Là, fessier pour terminer. Alors, on va placer une main au sol, un genou. Là, si vraiment c'est trop dur, vous vous mettez comme tout à l'heure, donc complètement allongé sur le côté. Sinon, on est là, on appuie sur la main et le genou. On va lever la jambe, on remonte le genou au niveau de la poitrine et là, on tend. Allez, on part pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste là, on fixe quelques secondes. Vous gainez bien la jambe, là, le pied est fléchi. Là, et on va repartir. 1, 2, 3, bien aligné. 4, allez, c'est fini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Dernier
de l'autre côté et on aura fini notre séance. Là, on appuie ou au sol, hein, suivant l'option que vous avez choisie. On va lever le genou et là, sous forme de kick. 1, 2, 3, le pied fléchit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On tend, on gaine la jambe, là, c'est solide. Allez, et on repart pour les 12 derniers. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, encore, 6, on va jusqu'au bout, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 30 minutes, pile poil pour aujourd'hui, voilà. Bon, j'espère que ça a été, n'hésitez pas à me dire si c'est trop facile, trop dur, si le niveau vous convient, si vous voulez un peu plus d'options, facile, un peu plus d'options compliquées, tout est possible. J'ai ça en magasin, donc voilà, j'ai juste besoin d'avoir des retours. C'était un format court, mais efficace. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. La séance est en replay sur ma chaîne YouTube. Donc par exemple, si ça a été un peu compliqué aujourd'hui, ça peut être un bon repère pour refaire cette séance un peu plus tard. Mais ça veut aussi dire des entraînements réguliers, de l'effort, du dépassement de soi. Et tout est possible, hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc ça peut être aussi ça, de se dire, vous la refaites un peu plus tard pour voir un peu comment vous avez progressé. Et puis pensez à vous abonner à ma chaîne, à la partager, la soutenir. C'est un bon moyen pour mes séances d'exister et d'en faire profiter le maximum. Voilà, bon, bonne soirée à tous. Ah oui, et j'oubliais, demain à 11h, j'ai une séance de boxe. Donc, c'est vraiment très axé boxe, c'est-à-dire que je me focalise quand même pas mal sur la technique pour corriger la gestuelle. J'apporte des petites astuces et tout. Après, il y a une grosse partie physique où on fait du cardio, où on fait du renfo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de tester, le lien est dans ma bio et vous pouvez facilement vous y inscrire. Voilà, bonne soirée à tous.